CR TV News, ici. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Personnel de santé, la prime du sacrifice, l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires des corps de santé publique connaît un relèvement. Le président de la République a signé ce jour un décret relatif. Première lecture et réaction dans ce journal. Insécurité au cœur de la cité, l'explosion d'un engin de fabrication artisanale au quartier Damas à Yaoundé hier soir crée la panique et fait quelques blessés. Le gouverneur du centre en appelle au renforcement de la sécurité et à la collaboration des populations pour traquer les malfaiteurs. Et puis, ambiance de discussion générale au Parlement. Deux projets de loi sont en examen par les élus de la nation. Une séance plénière présidée à l'Assemblée nationale par Kavaïe Guédibril, le président de la dite chambre. Voilà pour les titres du journal. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue au journal. Le président de la République a signé un décret portant relèvement de l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires des corps de la santé publique. Décret numéro 2020-369, dont du 3 juin 2020, portant relèvement de l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires des corps de la santé publique. Le président de la République décrète, article 1er, l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires des corps de la santé publique est à compter de la date de signature du présent décret, relevé à 60 ans pour le personnel de catégorie A et B et à 55 ans pour le personnel de catégorie C et D. Article 2, la mesure visée à l'article 1er ci-dessus est étendue au personnel des corps de la santé publique qui bénéficie à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une permission formelle d'activité valide. Article 3, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle de l'article 151 du décret numéro 2001-145 du 3 juillet 2001, suivi, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Signé à Yaoundé ce 3 juillet 2020 du président de la République, Paul Biya. Et pour avoir les premiers éléments de décryptage de ces importants actes pris par le chef de l'État cet après-midi, j'accueille dans ce studio Yves-Marc Medjo, le chef de la division des activités de souveraineté à la CRTV. Yves-Marc Medjo, bonsoir. Bonsoir Atta, merci de m'accueillir. C'est moi. Nous allons donc avec vous dans un instant évoquer la mesure présidentielle, le contexte dans lequel elle intervient et les effets attendus d'elle. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les principaux bénéficiaires de cette mesure, à savoir le personnel de santé? Eh bien, Atta, pour mieux comprendre cette mesure et son importance, la mesure prise par le président de la République ce vendredi 3 juillet 2020. Il faudrait déjà indiquer ce que c'est un médecin, un infirmier. Eh bien, c'est cet homme ou cette dame qui est porté en permanence à l'amour des autres. C'est cette personne vouée au sacrifice, toujours prête à partager notre détresse. Et c'est bien en cela que la profession de médecin, d'infirmier, d'anesthésiste et que ces gens-là ne ressemblent à aucune autre. Ce vendredi, par la mesure prise ce vendredi par le président de la République, devrait donc être perçu comme un hommage juste à ces hommes et à ces femmes pour l'attention qu'ils nous accordent, pour le temps qu'ils nous consacrent, pour l'espoir qu'ils nous redonnent et pour les soins qu'ils nous administrent parfois au péril de nos vies. Et je parlais justement de cette prime du sacrifice consenti. Yves-Marc, la mesure prise par le chef de l'État ce vendredi intervient dans un contexte assez particulier, un contexte de crise sanitaire aiguë qui a donné à voir un personnel médical très qualifié et appliqué à la tâche, bien qu'en nombre très insuffisant. Le ratio parle d'un médecin au Cameroun pour 10 000 personnes. Et c'est cette insuffisance que vient combler donc la mesure présidentielle.
Tout à fait, Atta. Les dépenses de santé dans notre pays représentaient en 2016 plus de 5% du produit intérieur brut. C'est un chiffre qui allait croissant depuis lors, mais dans le même temps, l'offre hospitalière également du pays, sous la haute impulsion du président Biya, s'est nettement accrue. En témoigne la multiplication des hôpitaux de référence, hôpitaux généraux, hôpitaux de district et que sais-je encore. Mais paradoxalement, la densité médicale, elle est restée pour sa part assez faible si l'on prend les ratios de l'Organisation mondiale de la santé que vous avez indiqué, que vous avez rappelé tout à l'heure, qui préconise pour un pays un médecin pour 10 000 habitants et un infirmier pour 5 000 habitants. Notre pays est hélas encore bien en deçà du compte. Et du côté du ministère de la Santé, on indique par ailleurs que les besoins pour les trois prochaines années en personnel médical s'élèvent à 3 000. À ce déficit, il faudrait donc ajouter la saignée résultant des départs massifs à la retraite des personnels atteints par la limite d'âge. On comprend, Atta, toute la justesse de la mesure présidentielle de ce jour. Alors, en quoi cette mesure est juste, me demanderiez-vous? Elle est juste en ceci qu'elle vient réparer une insuffisance, disons-le clairement, un dysfonctionnement. Voyez-vous, si l'on prend l'exemple des médecins, l'âge de départ à la retraite était jusque-là fixé à 55 ans. Or, un médecin au Cameroun, c'est au moins 7 années d'études supérieures après le baccalauréat pour un médecin généraliste et 4 années supplémentaires encore pour un médecin spécialiste. Envoyer à la retraite une telle ressource humaine à tout juste 55 ans, alors que celle-ci se trouve au pic même de son rendement sur le plan professionnel, était de toute évidence dommage. C'est cette injustice qui vient d'être réparée par le président Biya, agissant comme père de famille, un père de famille attentionné qui a le regard sur l'ensemble de ses fils. Ce sera désormais à 60 ans pour les médecins et autres cadres des catégories A et B, et à 55 ans pour les autres, c'est-à-dire les personnels du corps de la santé, des catégories C et D. En procédant ainsi, le président Biya apporte la preuve supplémentaire qu'il a de la suite dans les idées. Lui qui, dans son discours de prestation de serment, le 6 novembre 2008, déclarait, je cite, « conscient que la finalité de la démocratie est d'apporter au plus grand nombre des conditions de vie aussi bonnes que possible et une véritable égalité de chance, je persisterai, les mots sont du président de la République, je persisterai à consacrer tous mes efforts à renforcer notre système de santé et à ouvrir de nouveaux hôpitaux et en même temps à finaliser un dispositif de sécurité sociale efficace. » Fin de citation. Aujourd'hui, c'est chose faite avec cette magnifique fleur qui vient d'être faite au personnel médical. Et on espère que cette fleur viendra également, au-delà de régler cette insuffisance dont vous parliez tout à l'heure, elle viendra freiner l'exil tant décrié des médecins camerounais vers d'autres horizons, tant décrié par l'Ordre national des médecins du Cameroun. Yves Marc. Quelqu'un d'autre parlait de tourisme médical. De toute évidence, les effets de cette mesure présidentielle seront nombreux. D'abord pour les bénéficiaires, cette prime à leurs efforts et à leur sacerdoce va sans doute davantage booster leur rendement. Et pour la population en général, c'est une mesure qui va à la fois densifier l'offre de soins, assurer une meilleure couverture sanitaire de notre pays et pourquoi pas, augmenter notre espérance de vie. De nombreux effets attendus en sont. Merci Yves-Marc Medjo d'être venu faire ce décryptage, cette première lecture des mesures présidentielles avec nous sur ce plateau. C'est moi. Allons tout de suite au Centre des opérations d'urgence de santé publique pour recueillir des réactions de quelques personnels de santé à la suite des actes du chef de l'État. Romuald Tuis-Ngoc est en immersion dans ce quartier général consacré à la lutte contre le coronavirus. Romuald, bonsoir. Laissons de côté la pandémie un tout petit peu ce soir pour parler des textes du jour. Comment sont-ils accueillis là-bas sur place? Bonsoir Atta, le Centre des opérations d'urgence de santé est, vous l'avez dit, une sorte de quartier général, je dirais même une forteresse de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Et ce soir, les textes pris par le président de la République ont ici un retentissement tout à fait particulier. Vous l'entendrez tout à l'heure de la bouche de deux spécialistes, de deux praticiens qui sont à ma compagnie, le docteur Georges Etundi Mbala, qui est le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de santé. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Romuald.
et le docteur Ashta Amadou, qui est le chef de la section planification COVID-19, toujours ici dans ce centre. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Lemoyal. Dans l'immédiat, comment avez-vous accueilli les actes pris par le président de la République en faveur du personnel médical, c'est-à-dire en votre faveur? Alors, il faut dire que personnellement, monsieur Romial, j'ai été très satisfaite dans un premier temps, mais je n'étais pas aussi surprise pour autant. Parce que, il faut le dire, lorsque j'ai reçu cette nouvelle via un confrère qui m'a envoyé ce message sur mon téléphone, tout de suite, ce qui m'est revenu à la tête, c'était ce message que le chef de l'État, le président de la République, avait donné lors de son message lors de la cérémonie de la fête de la jeunesse en février dernier. Le message du 10 février. Du 10 février, évidemment. Et qui disait que ce septennat allait être très décisif pour la jeunesse. Tant que nous allons observer beaucoup d'avancées dans le domaine de la démocratie, des avancées sur le domaine du progrès social et économique, et cette nouvelle qui arrive comme ça aujourd'hui, qui nous met en émoi, qui nous met en joie, vient encore une fois de plus montrer que c'est les paroles du chef de l'État, c'est comme la pluie. C'est-à-dire qu'elle ne remonte pas sans avoir touché le sol, M. Romial. Donc les faits le prouvent elles-mêmes. Merci pour cette image. Nous passons donc de la voix de la jeunesse à celle de l'expérience. Docteur Etoundimbala, vous avez accueilli ce texte-là avec le même enthousiasme? Oui, mais oui, Romain, je crois qu'en premier lieu, il faut vraiment d'emblée remercier le chef de l'État. Il faut remercier le chef de l'État d'avoir entendu et surtout d'avoir compris les messages que nous remontons depuis. Et ce message tient essentiellement à quelque chose de fondamental, à savoir que pour nous, le corps médical, pour soigner, pour exercer notre art, parce que soigner est un art, quand on exerce notre art, plus on l'exerce, mieux on le maîtrise. Et mieux on le maîtrise, plus la transmission est aisée pour les jeunes qui vont prendre la relève, pour les disciples, et ceci pour le plus grand bonheur de nos seigneurs les malades. Et je crois que ceci aussi est indiqué parce que vous ne vous avez pas échappé que ces derniers temps, il y a eu une floraison de centres hospitaliers modernes qui vont être construits dans le secteur public. Et il va falloir qu'il y ait suffisamment de médecins pour s'occuper de ces centres-là. Donc je pense que c'est vraiment bénéfique pour le secteur public hospitalier et que désormais on peut être garanti que tous ces hôpitaux qui sont construits auront des médecins et autres qui vont s'occuper de la santé des Camerounais. C'est une grosse avancée. C'est très bien que le ministre de la Santé publique ait supporté, avec l'appui du Premier ministre, chef de gouvernement, c'est très bien qu'il ait supporté ce message pour qu'il soit entendu et compris par le chef de l'État. Docteur Ashta, ces mesures prises par le président de la République, à savoir le relèvement de l'âge de départ à la retraite, participaient des attentes et même des revendications des personnels de santé. Aujourd'hui, ces attentes sont effectives. Que peut-on espérer? Beaucoup plus d'engagement et d'application au travail de votre part? Bien entendu, cet engagement, cela va de soi, qu'il faille continuer davantage à travailler. Et cette marque de reconnaissance du chef de l'État, vous savez, vient encore nous booster dans ce que nous sommes en train de faire, ça vient nous redynamiser. Tant on sait que le travail que nous effectuons n'est pas souvent aisé dans une certaine forme de mesure. Et aujourd'hui, nous nous sentons vraiment ragaillardis. Et ce n'est qu'une suite logique quand on voit le leadership et le dynamisme que nous avons à la tête de notre département ministériel. Donc ça ne peut être qu'une suite logique pour nous, personnel de santé, de continuer de travailler avec tout le professionnalisme, la détermination qui nous caractérise, surtout dans le respect de l'éthique et de la déontologie médicale, il faut le dire. Docteur Georges Etoundimbala, même sans faire de l'analyse politique, c'est clair que aujourd'hui le président de la République envoie un message au personnel de santé pour dire « je vous ai compris et je salue votre travail ». Qu'est-ce que vous dites en retour, non seulement au président, mais aux Camerounais qui se plaignent parfois de la manière dont ils sont accueillis, parfois même de l'humeur des médecins? Quel est le message que vous donnez aujourd'hui? Non, je crois que les revendications ou les plaintes ou les attentes du public envers le secteur soignant sont légitimes.
parce qu'il s'agit de quelque chose qui est ce qui est de plus précieux, le capital santé, dont les revendications sont légitimes. Mais le message qui a été passé aujourd'hui doit être un message qui doit les rassurer sur le fait que nous sommes dans une voie de continuer à améliorer qualitativement, parce que plus ils travaillent, plus ils vont améliorer la qualité, et quantitativement, l'offre en personnel de soins pour les formations sanitaires du Cameroun, celles qui sont en train d'être construites dans les régions et toutes les autres. Je crois que c'est vraiment ce message-là qu'il faut passer. Il faut rassurer les Camerounais, il faut rassurer tous ceux pour qui nous avons eu la chance d'avoir, de devoir nous occuper de ce que Dieu a donné de plus précieux sur la terre, c'est-à-dire la vie. Et nous, nous sommes les serviteurs de tous ces Camerounais-là. Nous devons répondre tout le temps, 24 heures sur 24, à leurs attentes, à leurs revendications qui, je le dis bien, sont légitimes. Docteur Etoundi, docteur Ashta, ce n'est pas aisé de vous avoir à cette heure de la journée. C'est même un privilège et je ne vais pas en abuser. Voilà, Ata, ce qu'on peut retenir ce soir en termes de première réaction ici au Centre des opérations d'urgence de santé. Ce jour qui consacre donc le passage du président de la République, de l'éloge des personnels de santé à leur récompense. À vous, Mbaladu. Romuald, merci à vos invités également. On aura compris que, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient plus expérimentés, eh bien les personnels de santé ont compris qu'il s'agit là davantage d'un appel à plus d'engagement, à plus d'ardeur au travail. Merci. Le corps médical qui se réjouit donc et y exprime sa gratitude au chef de l'État après les décrets portant un relèvement de l'âge de départ à la retraite. Allons maintenant à l'hôpital Jamo de Yaoundé pour vivre l'ambiance. À l'annonce de cette nouvelle, on y retrouve Évariste Yenga. Bonsoir Évariste. Bonsoir, nous l'avons surpris dans son environnement de travail qu'il quitte difficilement depuis plus de 4 mois en raison de la riposte contre la pandémie du Covid-19. Lui, c'est le directeur de l'hôpital Jamo de Yaoundé, engagé à la prise en charge des malades de la Covid-19. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Évariste. Vous êtes bien le professeur Joseph-Marie Mendimokodo. Affirmatif. Vers la fin de cette journée, vous avez suivi les décrets du président de la République dans un premier temps, puis les décrets du Premier ministre, chef du gouvernement, portant tous le relèvement de l'âge de départ à la retraite des personnels médicaux. Comment vous réagissez à cela? Réagissant à ces très importants textes de M. le Président de la République, chef de l'État, nous sommes auréolés et nous nous sentons privilégiés d'appartenir au corps de la santé en ce jour, parce que nous voyons une attention paternelle apportée par un père de famille, une attention particulière apportée par un meneur de troupes qui mobilise et redynamise les troupes de la santé contre cet ennemi invisible qui est le Covid-19. On sait qu'en interne, vous aviez parfois cette préoccupation du deux poids, deux mesures. Certains qui partaient à la retraite un peu plus tôt que d'autres, et également des personnels médicaux et paramédicaux relevant plutôt du code du travail qui était encadré, je ne dirais pas au rabais, mais avec peut-être moins de considération. La fin de ce deux poids, deux mesures, comment vous l'interprétez? Nous interprétons cette fin comme étant une apothéose. Une apothéose parce que nous voyons bien que, quelle que soit l'appartenance, soit au corps des fonctionnaires, soit au corps des personnels relevant du code du travail, il n'y a plus de deux poids, deux mesures. Et nous pensons que, en face d'un ennemi invisible comme le coronavirus, il est de bon ton que ce texte rassemble et renforce les capacités de chacun et donne encore plus de courage aux uns et aux autres d'affronter cet ennemi invisible. Et nous pensons donc que ce texte qui vient, notamment celui du monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vient remettre en équilibre l'appartenance soit au corps des fonctionnaires, soit au corps des agents de l'État relevant du code du travail. On comprend votre émotion un peu à l'image de tout le corps médical qui est
de ces bonnes nouvelles de ce jour. Je rappelle qu'à l'arrivée dans cet hôpital, vers la fin de cette journée, on a trouvé, et on va vous quitter sur ces images, certains personnels qui étaient à l'écoute de la publication par la voix du poste national de la CRTV de ces importants décrets. Vous pouvez voir la joie qui animait donc certains soignants et tous les autres techniciens qui étaient carrément en liesse et donnaient de la voix. Couronnement des efforts fournis par tout le corps médical. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga. Ceci est naturellement la récompense du travail acharné et des sacrifices consentis pour sauver des vies humaines. Un dévouement qui a pris de la puissance depuis l'avènement de la pandémie du Covid-19 et qui est fortement salué par les citoyens. Voici des avis recueillis par notre reporter Marlise Enouambargaoumo. Depuis l'éruption de la pandémie, les blouses blanches sont au front de la bataille contre le virus mortel et ses incidences. Des incidences qu'incarnent ces milliers de patients qu'ils prennent en charge au péril de leur propre vie, guidés uniquement par le serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté. Un sacrifice qui ne passe pas inaperçu au sein de l'opinion. Les équipes médicales et sanitaires se sont très vite mobilisées pour donner les orientations et implémenter les directives de l'Organisation mondiale de la santé et du gouvernement camerounais qui a pris le taureau par les cornes. Il faut vraiment donner un coup de chapeau à notre personnel médical et les encourager dans les efforts qu'ils fournissent et qu'ils ne cessent de fournir au quotidien pour préserver la santé des Camerounais. Les personnels médicaux camerounais doivent être beaucoup félicités pour le grand travail qu'ils battent en approchant de tous les malades au jour le jour, notamment ceux qui sont au centre d'urgence au Curie. On les voit tous les soirs. Ils donnent le compte rendu aux Camerounais de ce qui se passe en journée, au fur et à mesure. Et ils exposent leur vie aussi en danger. Même s'ils ne font que leur travail, rien que leur travail, les risques auxquels ils s'exposent méritent encore plus d'encouragement. Je tiens particulièrement à dire un mot pour le corps médical qui a exposé sa vie, les médecins et tous ceux qui intervenaient dans ce secteur au quotidien, avant même que les équipements de protection et de sécurité n'arrivent. Ils étaient au front, plus au front que toute autre personne. C'est là que nous avons pu, en ce qui nous concerne, mesurer tout le sens du serment d'Hippocrate. Ce sacerdoce, cette exposition, cette abnégation, certains sont même partis parce qu'ils tenaient à sauver des vies. Malgré la persistance de la pandémie, le personnel de santé ne se décourage pas. Au contraire, les nombreuses guérisons sont un véritable boom sur leur cœur et les galvanisent, les poussant chaque jour à reprendre leur place pour accompagner les nombreux patients. La nouvelle de la revalorisation de l'âge de départ à la retraite des personnels de santé est au menu de tous les échanges dans la région du littoral, notamment dans la grande famille de la santé publique. Le décret présidentiel y relatif est absolument bien accueilli à Douala, la capitale économique. Voici des réactions recueillies dans ce reportage de Léon Bertrand Tanefo de CRTV Littoral. Vraiment courage, beaucoup de courage. Merci pour ces sacrifices. C'est ainsi que se résume l'ensemble des hommages que les citoyens camerounais de Douala rendent au corps médical dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus. Tout le monde est content de leur travail puisque ils mettent leur profession normalement au service des citoyens malades et ils s'occupent vraiment des patients. J'apprécie leur courage et la force de pouvoir sauver les Camerounais. Les médecins se sont beaucoup investis depuis n'est-ce pas, la survenue de la maladie. Il y en a qui ont perdu le sommeil. Je pense qu'on doit leur tirer le chapeau. À mesure que le temps avance, le nombre de cas testés positifs connaît une hausse. Et plus que par le passé, le savoir-faire du corps médical est approuvé. Compte tenu de la réduction des décès et la revue à la hausse des personnes guéries. Une prise en charge médicale qui a bonne presse. Pour moi, personnellement, je suis satisfait du travail qu'ils fournissent de jour en jour. À un moment, on a tellement eu peur d'aller dans les centres hospitaliers. Avec le déploiement du corps médical, la mentalité des uns et des autres a changé. On a vu tous les risques que le corps médical a pris. Je leur félicite déjà par rapport à ça. Et j'encourage le corps médical à aller de l'avant. Parce que beaucoup de personnes sont mortes à cause de cette maladie. Moi, j'en connais. Un capital de considération et de sympathie suscité par les autorités politiques et sanitaires qui ont multiplié les mécanismes efficaces.
Un reportage signé de Napoléon Bonaparte Besson. Et les populations de la région de l'Ouest apprécient à sa juste valeur le travail effectué par le personnel de santé dans la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Pour ces populations-là, le personnel met tout en œuvre pour la santé des uns et des autres. Voici leur réaction compilée dans ce reportage de Christelle Kémonier de CRTV Ouest. Le dévouement et l'abnégation du personnel de santé dans la prise en charge des patients atteints de coronavirus ne passent pas inaperçus aux yeux des populations de la région de l'Ouest. Ici, tous disent être satisfaits du travail abattu par ce personnel de santé. Dans la région de l'Ouest, je trouve qu'ils sont assez impliqués, ils font assez leur travail comme il faut. Un grand merci pour le travail qu'ils font. Et de ne pas baisser les bras, de continuer. On sait que la maladie est toujours là, elle n'est pas finie. Depuis que le coronavirus a commencé, du fait déjà qu'on entend plusieurs cas de cas guéris déjà, non. Ça veut dire au moins que les infirmiers se battent à leur niveau. Ils se battent parce que déjà ici à Bafoussam, on n'a pas encore trop entendu que les infirmiers sont morts comme dans les autres pays. Dans le même élan, les populations les considèrent comme des héros prêts à tout pour sauver des vies. Ces médecins qui vont jusqu'à s'engager à livrer leur vie, nous, on devait même prier pour eux. On devait franchement prier pour eux, les encourager. Je tire un coup de chapeau à tous les infirmiers. Ces médecins qui courent, qui cherchent à sauver la vie des gens et en mettant leur part en danger. Donc, c'est déjà beaucoup. La région de l'Ouest compte 844 cas confirmés, dont 14% est personnel de santé et 419 guérisons. Le président de la République, Paul Biya, a également signé un autre décret ce vendredi. Le président de la République décrète article 1er. Monsieur Ehed Salomon, ministre plénipotentiaire, est à compter de la date de signature du présent décret nommé ambassadeur représentant permanent du Cameroun auprès de la mission permanente de l'Organisation des Nations Unies à Genève en Suisse. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Signé ce 3 juillet 2020, le président de la République, Paul Biya. À l'Assemblée nationale, Cavalier Guédibril a présidé ce vendredi une séance plénière à l'hémicycle de la Chambre. Cette session plénière était consacrée à la discussion générale sur les projets de loi. Le premier modifiant et complétant certaines dispositions de la loi relative à la liberté des associations et le second régissant les associations culturelles et artistiques au Cameroun. Projet de loi défendu par les ministres de l'administration territoriale et des arts et de la culture. Le reportage de Clarisse Tain. Les associations artistiques et culturelles sont des entités dont la mission est de contribuer à la promotion de l'esprit et de créativité de ses membres, à la diffusion et à la pérennisation du patrimoine culturel national et universel. Au cours de la séance plénière, présidée par le chef de chambre, le très honorable Cavaille Guédibril, les élus ont montré un vif intérêt à débattre de la question. Une bonne quinzaine d'entre eux se sont succédés à la tribune de l'Auguste Chambre, relayant avec force arguments les préoccupations et autres attente des principaux concernés, les créateurs, les œuvres de l'esprit. Ils auraient dû être préalablement consultés pour les uns. Que deviennent les projets relatifs aux structures de culture? Pourquoi donner une structuration minimale aux associations culturelles et artistiques pour les autres? Les deux projets de loi en discussion qui se tiennent ont alors dévoilé la lecture à en faire. Il s'agit de codification, d'exploitation et de valorisation. Le gouvernement a pensé qu'il était nécessaire de créer un cadre légal séparé pour les associations culturelles et artistiques. Voilà pourquoi la nouvelle loi dit « ainsi que », on a ajouté le mot « ainsi que les associations culturelles et artistiques ». L'encadrement juridique des associations artistiques et culturelles a ainsi été rendu nécessaire avec la modification des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1990. Parce qu'ils se sont toujours plaints, qu'ils sont talentueux, ils produisent des œuvres, mais ils ne gagnent rien. Alors c'est une sorte de plus-value dont le gouvernement leur donne la possibilité à travers la nouvelle loi de vendre leurs talents et de faire de leur activité une industrie.
peut être mieux valorisé. Et puis en réalité, la balle est dans le camp des artistes eux-mêmes. Il faudrait que les artistes se retrouvent. Il faudrait que les artistes s'organisent. Il faudrait que les artistes échangent. Mais ils ne pouvaient pas le faire dans le cadre de la loi de 90. C'est pour ça qu'il faut tout simplement modifier cette loi pour que les artistes puissent se prendre en charge, se déployer, travailler et que l'État, le gouvernement, le ministère assure l'accompagnement, assure la régulation. Voilà tout le problème. Le ministre des Arts et de la Culture fait enfin savoir que la journée du mercredi, toutes les semaines, sans exception, est ouverte dans son département ministériel pour des échanges et autres discussions à cœur ouvert, à bâton rompu et sans tabou avec les artistes. La plénière s'est terminée sur une bonne note avec l'adoption des deux projets de loi en discussion. La deuxième session ordinaire du Conseil électoral de l'ECAM s'est tenue au Palais des Sports, au Palais polyvalent des Sports de Yaoundé ce 3 juillet. Les travaux présidés par le président du dit Conseil, Enor Abrams-Egbe, étaient consacrés à l'évaluation du processus de révision des listes électorales et du retrait des cartes électorales. Augustin Guizana nous en dit plus. Elle est ordinaire. La deuxième session du Conseil électoral d'Elections Cameroun, conformément aux missions statutaires de l'institution. Il y a les révisions des listes électorales et le retrait des cartes électorales. Mais les précédentes descentes des membres du Conseil électoral ont permis de dégager un constat général d'un très faible taux d'inscription sur les listes électorales et de retrait des dites cartes. C'est l'une des conséquences mesurables de la pandémie du Covid-19, a-t-on appris à l'ouverture des travaux. Nous aurons pour objectif, lors de la prochaine descente prévue dans les jours à venir, non seulement d'exhorter les équipes de terrain associées aux commissions mixtes locales à continuer d'améliorer considérablement la crédibilité du fichier électoral. S'il s'est félicité de la tenue des élections municipales et législatives de février 2020 et des partielles de mars 2020, le Conseil électoral n'a pas perdu de vue sur les chances à venir. L'élection des conseillers régionaux inaugure l'entrée en scène d'une catégorie nouvelle d'acteurs, que sont les représentants du commandement traditionnel. Dès lors, le cadre juridique institutionnel étant connu, j'en appelle aussi bien à une meilleure appropriation et au respect des textes en la matière. À l'entame de son propos à l'ouverture de cette session, le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun, Enor Abrams-Egbe, a salué la mémoire de certains acteurs politiques, notamment le président du Merci Isaac Feuze et l'honorable Joseph Mbandam. Député du SDF et ancien vice-président de l'Assemblée nationale, tous deux décédés pendant l'intercession du Conseil électoral d'Elections Cameroun. Bientôt, la deuxième session du débat d'orientation budgétaire au Parlement. L'adoption du document outil de base de ce débat était hier au centre du conseil d'un conseil de cabinet spécial présidé à l'immeuble étoile par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté. Par cette pratique innovante, il faut y voir un souci de transparence, Séverin Alegambélé. Le gouvernement s'appuie sur les lois pour pérenniser la tradition des savoir-faire dans la gestion des finances publiques. Loi portant code de transparence, de bonne gouvernance des finances publiques de l'État, loi portant régime financier. Et comme le rappelait le ministre des Finances au cours du conseil de cabinet spécial de ce jeudi, sous la présidence du premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté, il est bon de créer, par la participation du Parlement, des conditions pour l'adoption des lois de finances qui garantissent l'équilibre économique général. Le débat d'orientation budgétaire, qui est une innovation, vise à permettre aux parlementaires de participer beaucoup plus efficacement à la confection des lois de finances, c'est-à-dire des budgets. Parce que jusque-là, les parlementaires n'étaient impliqués dans le budget qu'au mois de novembre, lorsque le projet de loi de finances leur est apporté, les allocations sont déjà faites, tel ministère a ceci, telle dépense aura cela, et les parlementaires se plaignaient, ils se disaient que eux aussi, ils aimeraient participer dès le début du processus, notamment quand le cadrage est fait. Le document de programmation économique et budgétaire soumis à la discussion parlementaire est important, dans la mesure où les élus ne sont plus positionnés au bout de la chaîne d'élaboration du budget de l'État. C'est une expérience sans précédent, et c'est la deuxième édition cette année, parce qu'en juin 2019, il y a eu la première édition de ce débat d'orientation budgétaire qui était très enrichissant. Sur le plan purement stratégique, ça permet aux parlementaires de savoir ce qui va déjà être fait,
au niveau du projet de loi de finances. Surtout quand le ministre des Finances vient présenter ce document important, un document auquel ont participé, je dirais, tous les membres du gouvernement. Depuis l'année dernière, l'exécutif marque la volonté d'associer le législatif dans la définition du cadrage économique et budgétaire. C'est assez intéressant parce que je pense toujours qu'à un moment donné, il y a un souci de transparence dans la préparation de ce projet de loi de finances. C'est en réponse à ce souci de transparence que le ministre des Finances vient rencontrer les représentants du peuple. On parle bien de la transparence, mais il faut voir aussi la ferme détermination du gouvernement à converger vers la modernisation des pratiques de gestion des finances publiques. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La vie a repris son cours normal au rond-point d'Amaz, à Yaoundé. C'est un quartier de Yaoundé. Un engin de fabrication artisanale y a explosé hier jeudi, affectant sérieusement 5 personnes, de blessures importantes. Le présumé auteur de l'attaque n'est pas encore connu. Mais que s'est-il réellement passé au quartier d'Amaz, à Yaoundé? Voici les faits rapportés par Evariste Yinga. C'est ici, au pied de la caméra de surveillance, que l'engin explosif a été dissimulé, à l'abri de tout regard. Peu avant 20h jeudi, l'explosion s'est fait entendre. Étant à l'intérieur du magistrat, j'ai écouté une explosion, une grosse explosion, boum. Quand je sors, je constate qu'il y a les flammes autour du poteau des caméras. Donc, quand je m'approche, je constate qu'il y a une marmite, dont une espèce de cocotte minute, associée avec les batteries de moto, qu'on a mélangé avec le carburant et avec des morceaux de clous. C'est ça qui a donc explosé, c'est ça qui a pris feu. Maintenant, tout autour, j'ai trouvé des amis qui vendaient les chaussures, d'autres qui vendaient des pastèques, des femmes qui font le poisson à la braise, brûlées au 3e et au 4e degré. Personne ne savait qu'il y avait un truc comme ça. Mais subitement, ils entendent un bruit, l'explosion, les gens sont dans le sol. Pas de pertes en vies humaines. La déflagration a emporté la caméra de surveillance et laissé sur le carreau 5 blessés, des commerçants aussitôt conduits dans un centre de santé de proximité, puis référés plus tard à l'hôpital central de Yaoundé pour les cas les plus graves. On a reçu ici une dame qui a été brûlée un peu de partout, parce qu'on ne peut pas citer, il y avait plusieurs parties. Sa brûlée identifiée au 2e degré. Et nous avons aussi reçu une jeune fille. Des unités de sécurité et de défense se sont déployées en nombre. S'en sont suivies des rafles et des interpellations de suspects. L'enquête suit son cours sur la base des premiers indices fournis par la caméra de surveillance. Et suite à cette explosion, le gouverneur de la région du centre a tenu une réunion de crise ce jour. Nasseri Polbia a instruit les forces de maintien de l'ordre de multiplier des stratégies sur le plan sécuritaire et de travailler en étroite collaboration avec les populations. Je vous propose d'écouter Nasseri Polbia, gouverneur de la région du centre. Il est au micro de Roland Camille Soumbi de CRTV Centre. Les mesures qu'on doit prendre pour contrecarrer ces malfrats qui sont en train de faire les explosifs d'engins improvisés dans la ville. Après 3 explosions dans la cité capitale, nous devons nous mettre au travail pour avoir tous les renseignements sur tous ces individus, tout faire pour coopérer, collaborer avec les forces de maintien de l'ordre pour donner les informations en temps et à contre-temps. Les mototaximènes, tous les forces vives doivent mettre la main dans la pâte pour qu'on réussisse ces paris pour la sécurité de notre vie. Ce 3 juillet est Journée mondiale sans sac plastique, l'occasion pour nous de mesurer le succès ou l'insuccès de la croisade menée contre les sacs plastiques qui polluent l'environnement. Ces sacs non biodégradables de moins de 60 microns sont pourtant interdits, mais continuent de régner en maître dans nos commerces. Voici le reportage de José Gaëtan Changa.
Le plastique non biodégradable joue la carte de la résistance. Ici au marché du Fundi, contre quelques pièces de monnaie, on s'en procure. Quand les sacs sont moins chers, nous vendons à 500 francs, mais présentement les ballots ont un peu augmenté par rapport aux périodes précédentes. Peu coûteux et plus résistant, l'emballage plastique fait recette. C'est plus confortable que du papier parce que le papier fait tomber la marchandise, ceci est un peu plus solide. Le seul problème que ceci a, c'est que ça ne se dégrade pas naturellement. Pourtant, les alternatives existent. Dans les boulangeries et les supermarchés, le papier et l'emballage recyclable s'imposent. Ce que nous avons là sont des plastiques biodégradables pour être en conformité avec le ministère de l'Environnement qui nous accompagne au quotidien et dans la vérification du suivi des recommandations données. La maison ne peut pas prendre n'importe quel plastique pour utiliser. Parce que si on utilise n'importe quel plastique, on va nous sanctionner. Donc c'est normal qu'on utilise les plastiques biodégradables. L'environnement se dégrade, mais les contrôles et les sanctions semblent élastiques. Et plus de 6 ans après son interdiction suivie d'une campagne de traque, le plastique non biodégradable est toujours d'usage dans les villes et villages du Cameroun, très souvent au nez et à la barbe des contrôleurs du département ministériel à l'initiative de la croisade contre cet élément polluant pour l'environnement. Comment comprendre cette résistance ? Comment comprendre cette résistance du plastique ? Voici l'analyse de Rodrigue Bertrand-Tueno. L'on assiste à un jeu du chat et de la souris dans la croisade contre le plastique non biodégradable. 6 ans après l'interdiction, la résistance est encore intense. Nonobstant les campagnes de sensibilisation et les mesures répressives, les statistiques ne changent pas significativement. Plus de 2 millions de tonnes du produit incriminé font chaque année leur entrée sur le triangle national, avec impact sur l'environnement. La faute, selon les officiels du ministère de l'Environnement, à la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui a fragilisé la lutte contre la contrebande qui inonde le territoire national au départ d'un pays voisin. En attendant de trouver une parade, le ministère de l'Environnement va s'accrocher aux communes pour traquer les détaillants et autres vendeurs à la sauvette, tout en les aidant à mettre sur pied de petites unités de collecte du plastique aux fins de recyclage. Cependant, certains experts du secteur soutiennent que sans le montage de véritables industries de production d'alternatives au plastique, cette guerre sera d'avance perdue. Parlons du plan triennal spécial jeune. Le Digital Youth Service Center est en route. Il a solennellement été lancé ce 3 juillet à Yaoundé par le ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutsou. Cette solution numérique ambitionne d'installer 30 000 jeunes dans des kiosques numériques multifonctions dans les collectivités territoriales décentralisées du pays. Le reportage de Sadou Mamoudou. Le numérique. Boulevard d'opportunités pour la jeunesse, une jeunesse elle-même pétrie d'ingéniosité. Pour canaliser les énergies de cette frange de la population, le gouvernement camerounais, via le plan triennal spécial jeune et sa composante, Digital Youth Service Center, surfe sur l'autonomisation. Il s'agit à terme de mobiliser 32 000 jeunes porteurs de projets dans le numérique, d'assurer leur réarmement moral, civique et entrepreneurial, d'assurer leur formation technique, d'assurer leur insertion en auto-emploi dans les prestations de services numériques en individuel et ou en groupe sur 3 ans. Question de journaliste cependant, l'État ne finira-t-il pas par trop embrasser et mal étreindre ? Mieux, la solution Digital Youth Service Center n'est-elle pas simplement la réplique du Youth Connect Cameroun, monsieur le ministre ? Ce projet est fédérateur des les autres projets, ceux du secteur des colboxeurs, du secteur informel, pour évoluer vers le secteur formel. Également, il permet de promouvoir les produits des autres filières. 30 000 jeunes sur l'ensemble du triangle national pour la phase pilote, puis une décentralisation de l'opération en vue d'un véritable bailliage et une implémentation du plan triennal spécial jeune.
Les jeunes et les établissements scolaires du secondaire de la région du Sud se préparent pour des examens officiels sans Covid-19. Un important don en matériel d'hygiène du ministère des Enseignements secondaires a été remis à Ibolova aux responsables des structures scolaires des 4 départements de la région. Les détails avec Charles Abosolo Oba de CRTV Sud. À l'approche des examens officiels de la session 2020, l'ennemi invisible prépare certainement son offensive. En face, le ministère des Enseignements secondaires organise la riposte en dotant les établissements scolaires des kits d'hygiène. Madame le ministre voudrait des examens sans Covid. C'est pour ça qu'elle met à la disposition de tous ses collaborateurs ce matériel-là, pour que les examens se passent vraiment sans maladie. Un appui logistique considérable, constitué de dizaines de cartons de savon, des désinfectants, des gels hydroalcooliques, des thermoflashs, des bonbons d'eau avec robinet, des pulvérisateurs et bien d'autres. De quoi motiver les équipes sur le terrain. Nous avons déjà fait appel à nos chefs de structure qui sont en route pour venir eux-mêmes prendre déjà ce qu'ils peuvent emporter. Et pour ceux qui sont dans les zones les plus reculées, nous nous chargerons nous-mêmes de leur faire parvenir ce matériel avant le début des examens. Avec cet appui, les établissements d'enseignement secondaire du Sud sont désormais préparés à relever le défi de l'organisation des examens officiels en limitant au maximum la propagation du nouveau coronavirus. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, dans la région du Nord-Ouest, des kits sanitaires et des denrées alimentaires pour les couches vulnérables de Mbengui, dans la Momo. Le geste est de la ministre déléguée à la présidence de la République chargée du contrôle supérieur de l'État, Rosemba Acha Fomundam. Une expression de la solidarité envers cette tranche de la population. Valentin Kouadeu de CRTV Nord-Ouest à Bamenda. Le don constitué de savon, de seau, du riz, d'huile de palme est l'expression de la bienveillance de la ministre Rosemba Acha Fomendam aux orphelins, aux prisonniers et aux personnes âgées souvent oubliées en temps de crise. Ces derniers alimentaires vont leur permettre d'avoir l'énergie parce que le médecin nous a conseillé également de bien manger. C'est pour cela que le ministre a décidé de leur apporter ses soutiens. Les bénéficiaires ont naturellement dit merci à leur bienfaitrice. Nous sommes très contents pour ce geste pour nous aider à lutter contre le Covid-19 qui est une réalité dans notre société aujourd'hui. Nous voulons juste leur promettre que ce don, on va bien les utiliser. À l'heure où le coronavirus continue sa progression dans la Momo, avec 4 cas confirmés de Covid-19, le matériel reçu contribuera à coup sûr à freiner la propagation de la pandémie dans cette localité. La mairie de Yaoundé 3e a reçu ce vendredi de ses partenaires un don de matériel de prévention et de protection contre le coronavirus, don destiné aux établissements d'enseignement secondaire en prélude aux examens de fin d'année scolaire. Cette cérémonie, qui avait pour cadre l'enceinte du lycée général Leclerc, était précédée par une session du conseil municipal de cette commune, session au cours de laquelle de nombreux projets de développement ont été examinés. Les détails avec Philippe Roger Issama. La municipalité de Yaoundé 3e peut compter sur la solidarité agissante de ses partenaires pour lutter contre la propagation du coronavirus dans son espace communautaire. En première ligne, dans le cadre de ce don, la représentation de l'UNICEF au Cameroun et l'ambassade de Belgique. Ce petit don symbolise la solidarité entre le peuple belge, qui a été durement touché par le Covid-19 ces derniers mois, et le Cameroun, qui est aussi touché peut-être avec moins de cas, mais qui est touché socio-économiquement aussi. À destination des établissements secondaires, pour une fin d'année sans contamination, des seaux robinets et une diversité de matériel et équipements de protection contre le Covid-19. Malgré le contexte difficile, le conseil municipal qui a précédé cette cérémonie a été marqué par l'adoption du compte administratif 2019 et la détermination des autorités de cette collectivité à poursuivre les principaux chantiers inscrits dans le plan communal de développement. Nous avons vraiment beaucoup d'objectifs par rapport à notre commune. Malheureusement, toujours à cause de cette pandémie, ça nous freine un peu. Nous préconisons un cercle municipal au niveau des Foulaine-Lacs avec un restaurant, une salle de fête, une galerie de boutiques.
le marché de Nsam et son entrée vont aussi subir un aménagement spécifique. D'autres projets sont aussi envisagés pour une meilleure structuration des espaces publics dans la commune. Le tout nouveau secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux, Julien Doumba, exprime sa gratitude au président de la République, Paul Biya. Juste après sa nomination, la résidence de l'ancien secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord a été prise d'assaut pour les réjouissances de circonstances. Le promu s'engage à travailler avec acharnement dans le respect des valeurs républicaines. Voici la correspondance de Claver Pascal Ndanga de CRTV Nord. Dès l'annonce de la bonne nouvelle, famille, amis, collaborateurs et proches étaient nombreux à investir le domicile du nouveau secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux au quartier Marwari à Garoua. Un moment de joie, mais aussi l'occasion de féliciter de vive voix l'heureux promu qui accueille cette responsabilité avec un sentiment de profonde gratitude. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu. Témoigner toute ma reconnaissance à l'attention de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Remercier tous ceux qui ont pu m'accompagner dans cette mission. Aux côtés du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté, dit comme secrétaire général de ses services, jusqu'à sa nomination, Julien Doumba a durant 3 ans acquis une solide expérience qui a permis d'avoir une parfaite connaissance et maîtrise des dossiers et entrée au développement socio-économique, culturel, mais surtout sportif. À ses atouts s'ajoute son sens élevé de discernement et de discrétion qui lui permettront d'aborder sereinement cette nouvelle fonction exigeante et exaltante. Je ne lésignerai sur aucun moyen pour pouvoir accomplir comme ça se doit mes tâches. Administrateur civil âgé de 43 ans, le désormais ancien secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, Julien Doumba, a également servi comme sous-préfet de Ngoumo dans le centre avant sa nomination comme secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux. La région du Sud-Ouest est sous contrôle. Pour se rendre compte de cette réalité, le général de brigade Ebaeba Benoît, commandant la 2e région militaire interarmée, qu'accompagnait le général de brigade Ntungu Elias, commandant la 2e région de gendarmerie, eh bien, il vient d'effectuer un contrôle opérationnel au poste de commandement des unités basées à Koumba, Manfé et Ekok. Les détails avec Charles Lobon Nouesso. Dans la région du Sud-Ouest, la sanctuarisation de la paix et la sécurité est en marche. Les irrédentistes, bien qu'affaiblis, ont encore une capacité de nuisance avérée dans la Mémé et dans la Manou, avec des incursions sporadiques pour s'attaquer aux populations. L'armée est présente sur le terrain, avec un dispositif pour pacifier toute la zone. Et c'est pour se rendre compte des réalités locales que le général de brigade aérienne Ebaeba Benoît, commandant la 2e région militaire interarmée, qu'accompagne le général de brigade Tongue Elias, commandant la 2e région de gendarmerie, est descendu dans le sud-ouest dans le cadre d'un contrôle opérationnel des unités de défense postées à Koumba, Manfé, notamment les postes avancés de Echobi et Ekok sur la frontière Cameroun-Nigeria. La situation est sous contrôle. Actuellement, nous avons plus affaire à des bandits qui ont trouvé que cette manière de faire procure beaucoup d'argent. Il leur reste qu'une seule voie, c'est de prendre la main que le chef de l'État leur a tendue en déposant les armes. Pour le chef militaire, le travail fait par les troupes est satisfaisant. Il leur a exprimé les encouragements du haut commandement. Je suis satisfait du travail que les camarades font au jour le jour et surtout du fait que la population est consciente de cet apport et que la population est avec nous. Avant de partir, le COM Hermia 2 s'est entretenu avec les autorités administratives, les comités de vigilance et les populations à qui il a du reste appelé à une saine collaboration avec l'armée et a souhaité que le Sud-Ouest redevienne au plus vite un jardin de paix, de sécurité et de prospérité. Et dans le même temps, les activités reprennent du poil de la bête dans la région du Nord-Ouest, la preuve en d'or d'Alungoketundiam, où la société de développement de la Haute-Vallée se déploie sur le terrain. Elle présente son champ semencier de 12 hectares dans lequel est cultivé le riz d'Ndop. Voici des précisions avec Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest.
Nous sommes en Ndob, dans le Ngok et Tundia, en plein cœur des travaux de l'UNVDA, la Société de développement de la Haute-Vallée du Noun. Dans cette superficie de 12 hectares, 25 travailleurs s'occupent du sol pour la mise en place de la pépinière. Plus loin, un tracteur s'occupe du défrichage. Nous sommes dans le parcelle de démonstration, le parcelle d'expérimentation de notre champ semencier. Et dans cette parcelle, on a fait les pépinières de semences de Tox, de Tainan 5 aussi. Et on travaille ici en collaboration avec JICA, le Japan International Cooperation Agency. À quelques mètres de là, nous arrivons au garage où s'égarent les 22 tracteurs modernes qui aident à la production et le matériel de génie civil utile pour l'acheminement des produits transformés. Le matériel de génie civil aussi, nous en avons. Le curage des canaux et réhabilitation des routes. Nous faisons aussi le transport, puisque dès qu'on produit, au champ, il faut transporter le paddy dans l'usine. Ici, nous sommes à l'usine de transformation du riz. Les paddies arrivent pour subir le décortiquage et l'ensachement des trois produits majeurs obtenus. Le riz blanc, le riz étuvé et le riz complet. À côté, il y a des produits dérivés tels les brisures de riz, la farine basse et la meule. Je dois avouer que on fonctionne pas totalement à 100% parce qu'il y a certains endroits qu'on ne peut pas y accéder à cause de la crise. Mais nous nous sommes engagés à sensibiliser les agriculteurs qui sont au nombre d'à peu près 14 000 distribués dans 5 départements, y compris le Noun et le Bamboutous. Et je dois avouer que l'État fait énormément d'efforts pour que l'UNVDA soit à flotte. L'UNVDA, la Société de développement de la Haute-Vallée du Noun, est réputée pour son célèbre riz de Ndob, du nom de la localité où il est produit, à 37 km de la ville de Bamenda. Il s'appelait Martin Medjo, ancien secrétaire d'État au ministère des Postes et Télécommunications. Le haut commis de l'État a entamé son dernier voyage pour l'éternité. C'est le professeur Jean-Marie Baudot qui conduisait l'instant de recueillement à l'hôpital général de Yaoundé, des moments de vive émotion vécus par notre reporter Augustin Bichouka. Émotion et recueillement cet après-midi à l'hôpital général de Yaoundé. La mise en bière suivie de la levée de corps de Martin Medjo, ancien secrétaire d'État au ministère des Postes et Télécommunications, trouvé mort le 21 mai 2020 et a drainé du beau monde. Respect des mesures gouvernementales de prévention de la COVID-19 oblige, la distanciation sociale est respectée. Des moments de peine et de réconfort sont conduits par le professeur Jean-Marie Baudot qui a salué et exalté l'œuvre du haut commis de l'État pendant ses 77 ans de vie sur Terre. Des visages bien connus du public se sont associés à la famille biologique et professionnelle en ces moments. Un homme jovial, un homme très attachant, un homme assez sévère quand il voyait que voilà, les gens ne faisaient pas attention aux valeurs, aux grandes valeurs qui constituent notre société. Et donc, et en même temps, un homme de foi. Passé l'absoute, la foule, bien meurtrie par la douleur, assiste au départ du corps pour Fomakap dans le département de la Leki. Avant de refermer ce journal, ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence Alexandre Loukachenko, président de la République de Biélorussie à Minsk. Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays, le 3e, m'offre l'heureuse opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes voeux de santé et de bien-être pour le peuple biélorusse. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération signée Paul Biya. Et puis la France, qui a un nouveau Premier ministre, Jean Castex, remplace à ce poste Édouard Philippe. Édouard Philippe qui a remis ce vendredi la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron. La composition du nouveau gouvernement français devrait être connue avant mercredi, prochaine date du prochain Conseil des ministres. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de José Gaëtan Tchanga, Caroline Wété et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit avec Joseph Guetamandeng et Gideon Tazo. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Bonne soirée et à demain 20h30, Inch'Allah.
essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.